Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Mais ce serait pas le nouvel échappement pour la WRZ? Ah voilà, bon il est arrivé, le colis, il est arrivé vite d'ailleurs. Vous l'avez remarqué, c'est un colis qui vient de chez Dragon. Donc Dragon, un très célèbre et fameux préparateur. C'est aussi un vendeur pour certaines marques. Et donc vous allez voir ce fameux pot, j'avais donné quelques indices sur les réseaux sociaux. C'est un pot du groupe Enduro. C'est un pot made in France. C'est à la main les amis. Alors on va déjà ouvrir ce petit compartiment. Donc voilà, petit qui vont bien, on a bien sûr la petite casquette, hop, et on a des petits autocollants, voilà, ça va finir sur les motos. On est bon, on va attaquer le gros du spectacle, hop, allez, ça y est, le petit silencieux, les deux pièces sont ultra magnifiques. Donc voilà, donc ça vient de chez Doma, un fabricant français, donc que demander de mieux. Donc voilà, la petite cartouche qui est vraiment sympathique, regardez, dans son petit filet de protection. Donc hop, on la met de côté et juste ici on a le corps. Le voilà, regardez-moi, c'est une beauté mes amis, c'est une beauté. Je veux qu'une main, c'est pas simple. La beauté du produit, c'est incroyable. Mon objectif, le monter dans la journée. Donc ce qu'on va faire, c'est que la petite WRZ, elle est un peu crado. Donc on va aller la rincer. Et puis après, on est parti. On va prendre le petit casque qui m'a gentiment été envoyé par Anne-Catherine. On est parti pour le sound test numéro 1, donc avec la ligne d'origine. Hop, c'est parti. Petite astuce pour enlever du coup les ressorts, ce qu'on va faire c'est utiliser ça et un tournevis. Donc ça, on passe tout bêtement ici. Maintenant ce qu'on va faire, c'est prendre le tournevis, le passer dedans comme ça. Et là, on va tout bêtement tirer et voilà. Donc si vous n'avez pas la machine pour enlever tout simplement les crochets, c'est juste la meilleure méthode. Puisque bah, elle coûte pas cher et qu'elle est plutôt simple. Là, on n'a plus de vis. Ici, on l'a enlevé. Il manque celui-ci, du coup, qui est juste là. Bon, on arrive à la fin de la première étape. On va pouvoir, voilà, enlever ça. Et celui de devant, juste là. Ça y est, le corps est fin monté. Hop, la petite attache là, la petite attache là. Les deux petits ressorts maintenant. Le joujou qui est juste ici. Hop, parti. Le corps est monté bien comme il faut. On a en manche silencieux. J'ai encore à mettre le petit joint, les deux vis pour bloquer silencieux. Parce que là, il bouge. Enfin, il est pas en face. Le petit joint de la selle. Peut-être faire un réglage carbu. Normalement, il n'y en a pas besoin. Et voilà. Ouah, ça va défoncer. Oh là là, incroyable. Regardez-moi ça. Prochaine étape, c'est simplement mettre du coup de l'huile de boîte adaptée bien sûr dans du coup ce petit orifice. Et juste là, on a la vis de niveau. Donc dès que l'huile commence à suinter par cette petite vis là, ça veut dire qu'on a le niveau. Donc on est parti. Faire bien attention à ne pas en mettre partout. Le niveau est bon, on va refermer ici. Bon, il n'y a plus qu'à. Il est grand temps de faire un petit check. Ok, c'est parti. Allez,
tour de Guigui d'essayer rapidement. Ralenti un peu haut, va falloir le régler. D'ailleurs les amis, nouveau produit dispo sur Volt Brigade, donc le petit imperméable qui va bien, le petit pull, je vous mettrai des photos. Donc allez faire un petit tour, je vous avoue que ça fait plaisir, les nouveaux produits dispo. Voilà, livraison offerte aussi, donc profitez-en si vous voulez faire une petite commande, c'est le moment, il faut en profiter. Allez, c'est parti! Bon les gars, petit problème de caméra. J'avais les cartes pleines, donc j'ai pas filmé le début de la balade. Et on va finir par y arriver. Je sens que là, j'ai enlevé mon masque. C'était pas la meilleure idée que j'ai eue. Je me suis fait enculer l'œil. Je crois que j'ai ma roue pas droite la dernière fois, je me suis ramassé.